C'est Sergent Snake. Bon, je pense que ma voix est un peu pétée, mais je fais une vidéo de bon matin parce qu'on vient, je viens d'apprendre que la map RP du serveur Nimi, monde parallèle de Emin, vient d'ouvrir. Et comme j'ai été accepté dedans, ben on va, je veux y jouer. Donc voilà. Donc on va commencer. Donc je sais où je vais aller à peu près m'installer. On va aller s'installer par là-bas. Je vais visiter la map un peu vite fait avant. Donc on va s'installer là-bas. Je pense qu'on va faire, on va aller juste là-bas le temps que j'y aille. Tout d'abord, un grand merci pour mes 50 abonnés. Enfin, j'ai dépassé les 50 abonnés maintenant. Enfin, il y a quelques jours de cela. Et voilà. Donc, merci à vous. Donc, on va s'acheter de quoi bouffer, un peu. Parce qu'on pourra pas dépendre de nous-mêmes, voilà. On va se crafter nos petits pains. J'ai acheté, si vous me dites pourquoi j'ai un œuf de cheval et tout dans mon inventaire, c'est normal, je me le suis acheté. Donc, ne vous inquiétez pas, tout est parfaitement normal. Donc on va s'acheter, je suis normalement mineur, enfin faut que je me mette dans le métier mineur. Donc on va le faire ça maintenant. Slash Steve Jobs. Mince, c'était quoi déjà? Steve Jobs, join, mineur. C'est bon, je suis mineur. Donc on va se prendre aussi ce qui nous... qui veut bien nous vendre pour le début des métiers de mineurs, c'est-à-dire le fer, on s'en fout un peu, c'est la pioche qui m'intéresse. Voilà, Iron Pickaxe. On va s'en prendre 3 et on va pouvoir partir en exploration. Allez, hop. Bon, alors on va aller dans la direction que je vous ai dit. On va d'abord faire spawner notre cheval. Oh non, vous êtes sérieux, c'est un petit? Non. Est-ce qu'il bouffe le blé? Attendez, je vais m'acheter du blé pour le faire grandir, ce petit. Donc après, les métiers seront payants. Donc voilà. Là aussi, vous voyez que je paye des écus. Ne vous inquiétez pas. J'ai ce qu'il faut en écu, j'en ai plus de 3000, donc voilà. Ok, on va le faire grandir. Espérons qu'il est assez fort. Aime-moi. Oui. Ok, il est plutôt pas mal. Allez. Donc je vais vous expliquer un peu aussi mon projet. Donc on va partir dans la bonne direction, c'est par là-bas. On visite la... Ah, ici c'est la capitale des Utlos. La capitale Utlos, donc voilà. Alors mon projet, donc je suis censé être un elfe. Oui, encore un elfe, je sais, c'est pas très original. Mais donc je suis censé être un elfe qui a fui la guerre, qui a ravagé son pays, enfin sa ville, sa cité. Donc j'ai fui et je me suis retrouvé ici et j'ai envie de reconstruire cette cité, donc enfin une petite cité. Donc ce que je vais faire, c'est reconstruire une petite cité. Non. Eh, viens là. Non, de l'autre côté, tu passes de l'autre côté. Oh putain, chien, un cheval dans l'eau. Oui, bah, c'est pas vrai. Vu qu'il est à l'envers. Dis-je bonjour, oncle Seb, le gardien de cette map. Voilà. Donc on va commencer à y aller. Bon, il est plutôt rapide ce cheval, c'est bien, je suis content. Pas aussi mauvais que ce cheval que ça. Allez hop, on traverse. Ouah, quel saut magnifique ce cheval. Voilà. Donc
Donc oui, j'ai visité tous les là. Donc mon projet, c'est de reconstruire cette ville en faisant une ville un peu. Enfin, ça va pas ressembler à l'Embivos pour ceux qui suivent mes vidéos sur l'Embivos, avec un gros arbre, du chouette. Non, non, non. Ça devient différent. Oh, de la canne à sucre. Allez, mon cheval, tu m'attends ici. On va essayer de le garder, ce cheval. Oh non, je dois être agriculteur. Vous êtes sérieux? Donc, ouais, parce que vu que les métiers, chaque métier doit un truc spécial. Donc, d'accord, en tant que mineur, je ne peux absolument pas récolter ce que je veux. Là, il faut être aventurier pour pouvoir prendre ça. On va s'installer dans plusieurs, enfin à la limite de plusieurs biomes. Il y a le biome désert pas loin, enfin il y a plein de villages, donc on va voir si il y a des trucs dedans. J'ai vu les villages grâce à la dit map en fait. Je serais obligé de m'acheter de la bouffe pour le moment là-bas, là où vous m'avez vu acheter de la bouffe. Tout simplement, c'est pour faire marcher l'économie. J'ai combien d'argent encore, slash monnaie? Ouais, regardez, j'ai encore 3182 écus. Pourquoi j'ai autant? C'est parce que je gagnais les events quand ils nous offraient encore beaucoup d'écus, donc voilà. Regardez, une petite forêt. On fera une forêt artificielle aussi, bien sûr. Oula. Ouhou. Mode casse-cou activé. Allez, hop. La vidéo ne sera pas bien longue, bien sûr, hein, parce que j'ai pas énormément de temps devant moi. Puis, voilà. Ok, bah il y a déjà des bons espaces minage. Moi je pense qu'on va y aller tout de suite. Enfin, j'irai miner moi en hors caméra, je pense. Parce que j'ai à peu près expliqué ce que je voulais. Mon projet et tout et tout. Donc, avec Yuriko, on a décidé de faire un peu d'échange ensemble. Voilà, un petit village. Tout joli, tout mimi. Bien sûr que je peux absolument rien récupérer. Où est-ce qu'on va mettre le cheval? Alors, ma pioche. Voilà, on va le foutre là-dedans, mon cheval. Et reviens là toi. Qu'est-ce que cette porte? Ouais, putain, c'est super long sur un cheval. Soit. Ouais, je sais pas où le mettre sinon en fait, pour le moment tant que j'ai pas de. Pour me faire un vrai enclos, je vais mettre ça là. Non, vous êtes sérieux? Ah là là. Shit, bon, on va replacer ce bout de bois. Et on va se trouver une autre maison. Bah ici, c'est magnifique. Regardez. Ok, voilà, hop. Il est bien là. Mon cheval. Donc j'ai besoin de villageois parce que je compte faire une ferme à faire aussi. Donc c'est pour ça. Je suppose qu'on n'a pas le droit. Ouais, c'est agriculteur. Bon allez, bah, on a vu. Je pense que je vais pas tarder à vous laisser si vous avez des questions. Comme je dis, une petite vidéo. Donc je pense. Ah non, allez, on va commencer un peu. On va miner ensemble. J'ai aucune torche, c'est génial. Magnifique. Je crois qu'on peut casser le bois, parce que je suis la personne qui a fait les tests des métiers. Et sans un bûcheron, on pouvait casser ceci. Donc je. Ah non, on peut pas. Ils ont réglé ça. Ok, donc c'est pas grave. Donc il y a des extensions. Je vous explique un peu vite fait aussi. Il y a des extensions donc possibles avec pour chaque métier. Donc moi j'ai comme extension possible souffleur de verre, puis forgeron. Si je veux, je peux tout m'acheter d'un coup, donc, mais on va attendre un peu, hein, on va jouer le jeu. On va attendre un peu. Voilà. Il me faudra du charbon, il y a du fer, un masse de fer par là-bas. On va demander à Yuriko s'il a commencé à faire le cassage d'arbres.
parce que je compte, en fait, on compte s'échanger. Moi, je lui passe des minerais, lui me passe des du bois, parce que c'est lui qui s'occupe du bois. Vu qu'il va être comment ça s'appelle? Vu qu'il veut être, il va être bûcheron, ou il est déjà bûcheron, je sais rien. Il est AFK. C'est pas grave. Bon, allez, on récupère tout ce qu'il nous faut. Puis on va le miner, même si c'est dangereux, parce que j'ai absolument aucune épée. Il aurait peut-être fallu que je prenne du bois. Ah, oups. On va se régénérer un coup. J'ai même pas peur là, d'un zombie. Je fais de l'ultra hardcore, j'ai pas peur. Regardez-moi ça un peu. Et en plus, on peut même pas récupérer les loot, c'est génial, vous avez vu ça? Pourquoi? Mais pourquoi? Allez! Merci! On va bloquer ça comme ça, on va pas la casser, on va pas casser source d'eau. Quoique, de toute façon, il y en a plein en haut, on s'en fout un peu. Ouais, j'ai un peu la voix cassée donc c'est pas grave. Oui, donc Yuriko et moi, on pensait se faire des échanges un peu de... Parce que bûcheron, il passe du bois, moi je lui passe des minerais. Donc on s'est fixé des trucs avec prix avec diamant et de fer pour les trocs. Voilà. C'est pour ça, ouais, d'accord. Une petite faille. Bon, je m'en fous, je ferai une table de craft avec en pillant un peu le village. C'est pas si grave que ça. On n'en saura rien, et puis. Je pense que je vais vous laisser là, comme ça elle est pas très longue à uploader. Je l'uploaderai aujourd'hui même. Donc on est vendredi de mai. En même temps, il y a un épisode de CPSP saison 2 qui sort. J'espère que vous likerez tout, partagez tout et tout. Il y a quelqu'un d'Imine, vous pouvez pas le voir si vous n'êtes pas sur le forum ni rien, mais qui a dit qu'au bout de mes 100, à mes 100 abonnés, il invite tout le monde de chez lui et on fait une méga fête. Alors abonnez-vous pour la méga fête. Bon. Bon, je pense qu'on va vous que je vais vous laisser. On sera des épisodes. J'ai pas, comme vous dites, beaucoup de temps. J'aurais espéré que la map ouvre plus tôt. Comme ça, on aurait pu faire des vidéos de construction. Un peu tout. Mais là, il me faut des ressources. Enfin, il me faut plein de choses. Donc, dès que j'aurai récupéré un peu mes ressources. Enfin, même si je peux récupérer, on fera des petites séances comme ça de minage ensemble. Tout comme ça. Ça sera ma nouvelle série. Que je vais appeler Arabesque. D'ailleurs, c'est un peu ça le nom de ma cité. Parce que, je sais pas, ce nom. Vu que je suis musicien. Et que c'est un nom, c'est un morceau de musique, j'ai pour ça que j'ai envie de l'appeler comme ça. Allez! Oh, je déteste quand ça fait ça les blocs. Tu sais, vous savez, il n'y a pas de lag parce que tout se casse à côté, mais. Ça non. Ah, mais il y a des trucs là-haut. Bon, bah je vous laisse, je vais continuer un peu à faire ce que j'ai à faire. Puis on se retrouvera plus tard. D'accord, je peux pas. Tchuss tout le monde, à une prochaine.